Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle aventure avec Thierry et une partie de nos chiens. Nous allons à l'association Notre-Dame à Neuilly-sur-Seine, pas très loin de la clinique de Thierry. Nous allons faire de la médiation animale, c'est une première pour moi, je ne sais pas si c'est une première pour toi. Non, j'en ai fait beaucoup. Ah oui. On emmène quelques-uns de nos chiens voir des personnes en situation de handicap moteur ou cérébral. J'espère leur faire plaisir. Moi, je suis très contente de faire ça parce que j'adore. Enfin, il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que de faire plaisir. Donc, j'espère que ce sera le cas. et puis, on va voir la réaction de nos chiens parce que, en tout cas, nos chiens, eux, pour tous nos chiens, c'est une première. Donc, on va voir comment ils réagissent. Le but, évidemment, c'est pas de les contraindre, c'est pas de les forcer à une interaction s'ils veulent pas en avoir, n'est-ce pas, Thierry? Ah, ça c'est oui. Kimono, le petit nouveau. Il faut qu'il soit la dernière pensée en matière d'éthique animale, c'est que l'animal, lequel qu'il soit, hein, donc ça peut être un mammifère, ça peut être un oiseau, ça peut être un poulpe, il faut qu'il soit en mesure d'être dans des états mentaux positifs quand le contexte dans lequel il évolue est un contexte favorable et non stressant. Et il faut aussi, et ça c'est la notion la plus avancée en matière d'éthique animale, il faut aussi qu'il soit agent de son quotidien. En gros, il faut qu'il ait un contrôle sur son environnement, qu'il soit dans des états mentaux positifs, mais que le contrôle qu'il a sur son environnement lui permet d'être agent de son quotidien. C'est la notion d'agentivité, c'est fondamental. Et donc, dans cette thématique de l'agentivité et des états émotionnels positifs, et ben on va voir si nos chiens prennent plaisir à interagir avec tous ces individus en situation de vulnérabilité et de handicap. Et ben, on aura tout gagné. On aura fait plaisir à des humains, j'espère. Nos chiens, ils y auront aussi pris du plaisir. Donc, on aura tout gagné. Et ça, quand c'est symétrique dans la relation et dans la prise de plaisir, et ben tout va bien. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on fait cette intervention à titre bénévole dans le cadre d'un partenariat qui a été initié par Agnès Bory. N'est-ce pas, Thierry? Oui, qui est Agnès Bory? Agnès Bory, c'est une merveilleuse vétérinaire qui adore les animaux. Et elle est aujourd'hui l'attachée parlementaire, la collaboratrice parlementaire d'un vétérinaire qui est aussi sénateur, Arnaud Bazin. Et Agnès, elle a un grand cœur pour les animaux et évidemment pour les humains. Et dernière chose également à préciser, c'est que nos chiens ne sont pas formés à la médiation animale. Là, c'est plus une interaction, c'est une première interaction qu'on fait avec eux. Sachant qu'ils n'en ont jamais fait et on sera évidemment très vigilant à ce que eux nous disent, à ce que eux nous montrent de leurs états émotionnels au moment de ces interactions. Allez, go! Combien il pèse, lui? Il pèse 60 kilos et t'arrives à le tenir. Alors là, il faut encore une fois. Tiens, alors attends, regarde. Hop, hop, tac, tac. Allez, on y va. Ouais, tu te débrouilles, vous vous débrouillez très bien tous les deux. Hein. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Vas-y. Bravo. Elle t'aime bien. Elle t'aime bien. Elle est trop contente, hein. Oh là là, elle t'aime bien. Oh là là. Tu veux la promener? Oui, je veux bien. Tu veux aller la promener? Oui. Tu vas te promener? Bravo. Bravo. Wow. Non, d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent le caresser? Oui. Ouais. C'est super. Oui, regardez, il est content, il te demande. Viens. Ah là 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 là. Super. Tu peux avancer. Vas-y. Tu peux même aller plus vite. Il n'y a pas de problème.
Oui. C'est bien. Non, elle mord pas du tout. Mais non, tu n'as pas peur, tu fais ça très bien et elle, elle est contente, tu vois. C'est super ce que tu fais. Et c'est courageux de le faire si tu as peur en plus. C'est très bien, Nala. Elle s'appelle Nala. C'est très bien. Il a peur de moi. Je tire les pattes. Elle va le ramener. Hein. Oh là là là. Et c'est Sohan qui a caressé un chien. Qui c'est qui me tient Guachou? Voilà. Regarde. Je le porte. Bravo! Bravo! Qu'est-ce que tu fais? Bravo! Tu y arrives maintenant! Waouh! Angèle? Oui? Caresse, tu veux toucher un petit peu? Non! Allez, on prend là-bas. T'as besoin d'aide, tu demandes à la dame. D'accord? Bravo! C'est bien! Pax. Pax. Pax donne la patte. C'est vrai? Pardon. C'est vrai? Personne qui a le manteau jaune. Parce que comment elles font On chante. On chante. Assis. Oh non. Ouais. Debout. Debout, elle connaît pas. Oui. Bah voilà, on vient de passer 2h30 à l'association Notre-Dame. On a déclenché un grand enthousiasme parmi tous les pensionnaires et les bénéficiaires de l'association Notre-Dame. Donc Elisa et moi, on est très très émus évidemment. Et puis, ce qui est vraiment impressionnant, c'est à quel point quand ils sont en contact avec, des chiens, tous ces pensionnaires, tous ces bénéficiaires qui, pour un nombre vraiment important d'entre eux, ont des handicaps vraiment importants, ça les illumine. Ils veulent toucher, ils veulent tenir les laisses, ils veulent brosser, ils veulent caresser. Ils sont, ils étaient au moins, je pense, 150 et je crois que 145 d'entre eux, ça les intéressait. Et tous leurs encadrants, ils nous ont dit, c'est impressionnant comment ça les stimule. C'est donc nous, évidemment, on est des protecteurs des animaux, on n'en oublie pas moins les humains. Voilà, on adore aussi les humains.
toujours. En fait, je pense que. Souvent, on oppose les amis des animaux aux humanistes. Et en fait, non, c'est pas vrai. On peut être amis des animaux et adorer aussi les humains. Et je pense que justement, aimer les animaux, c'est. Enfin, ça part du sentiment d'amour et d'empathie aussi vis-à-vis des animaux. Et je pense que quand on a de l'empathie vis-à-vis des animaux, on en a aussi pour les humains. Les humains qui aiment les animaux finalement par colère ou par haine de l'homme, pour moi, ne sont pas dans une démarche bienveillante et humaine en fait. C'est donner de l'amour, peu importe l'espèce finalement, que ce soit les chiens ou toute autre espèce animale ou même les humains ou même la planète en général, c'est le donner de soi. C'est quelque chose d'universel qui peut s'adresser aux humains comme aux animaux. Est-ce qu'on va revenir ? Oui, on va revenir. Ouais. Et dimanche, donc dans 2 jours, on accueille le dirigeant de l'association Notre-Dame à la ferme Refuge Aura. Parce que l'objectif dans notre collaboration, c'est aussi qu'on accueille les bénéficiaires et les pensionnaires de l'association Notre-Dame au Refuge Ava pendant la saison sèche. À bientôt. À bientôt. Allez, zoom.